parole est à M. Christian Estrosi, maire de Nice, président de la métropole, président délégué de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il y a 80 ans, jour pour jour et presque heure pour heure, Nice comprenait qu'elle s'était libérée. Seule, presque à main nue. Oh, on connaît bien désormais l'histoire de ce jour glorieux. Les historiens ont fait leur travail et les témoins nous ont raconté ce qu'ils avaient vécu. Ils nous ont dit que cette journée avait été la lumière au bout d'un long tunnel de désarroi, de trahison et de lâcheté. Étant déchirés et obscurs, de faim et de peur, de dénonciation et d'exécution, comme celle de Séraphin Thorin, et d'Ange Grassi, pendu au avenue de la Victoire ou des fusillés de l'Ariane. Des temps de persécution des Juifs, dont Simone Veil, les parents de Serge Klarsfeld seront les victimes, parmi d'autres, hélas, dans les déportations et dans ce qu'il s'en est suivi. Une longue période de souffrance, mais jamais de désespoir. Au contraire, plus la situation empirait, plus forcissait la flamme de la résistance et de l'espérance, cette flamme française, jusqu'à cet éblouissement du 28 août 1944. Partout dans la ville, on prend les armes, quand on en a et on se bat. Certains y laisseront leur vie. Ils s'appelaient Fortuné, Aristax, Alphonse, Auguste. Ils s'appelaient Basile, Roger, Michel, Joseph. Ils sont morts pour la France et ils sont morts pour Nice. Ils étaient à l'image de notre cité. Ils soient de naissance ou d'adoption venus de toute la France. Arméniens, Italiens, Espagnols, Belges. Niçois tout simplement, fiers et courageux. Ils venaient de tous les horizons politiques, adversaires souvent, les alliés pour l'essentiel. La France, Nice, la liberté. Tout au long de cette journée, nous avons rendu hommage à ces héros de 1944. Ils sont l'incarnation même de ce que nous chantons avec la Marseillaise, aux armes, citoyens. Ils sont morts pour que nous soyons libres. Et c'est à l'encre de leur sang que s'écrit depuis l'histoire de notre ville, l'histoire de Nice. Nous en connaissions jusqu'ici 34. Nous savons désormais qu'ils étaient au moins 35. Antoine Reboul mord lui aussi les armes à la main pour que Nice continue d'être Nice. Pendant près de 80 ans, son souvenir avait été oublié. C'est aujourd'hui réparé. Son nom, comme ceux de tous les insurgés morts ce jour-là, est désormais inscrit sur une plaque, dans la chair de notre ville. Nous ne laisserons pas s'éteindre la voix de leur mémoire. Nous ne la laisserons pas devenir un chuchotement. Elle restera un cri, une clameur, un devoir. La disparition des témoins directs n'y changera rien. Au contraire, c'est tout le sens des événements que nous avons organisés cette année pour le 80e anniversaire de la libération. Et je veux tout particulièrement saluer le travail de celles et ceux qui ont contribué, et notamment mon adjoint en charge de ces célébrations, Jean-Marc Jaume, aux côtés du colonel Marie-Christine Fils, en charge des relations avec le monde militaire. Elles ont été riches, et encore ce soir avec des reconstitutions, et dans quelques instants, deux avions d'époque qui vont survoler notre monument. Voir à chaque fois autant de jeunes à ces hommages peut nous rendre fiers. Le flambeau de notre dette d'honneur envers ces combattants de la liberté passe de génération en génération. Nous y veillons
tout particulièrement. Nice reconnaissante n'oublie pas et n'oubliera jamais ce qu'elle doit à ses héros tombés pour Nice et pour la France. À travers eux, ce sont tous les résistants, tous les combattants, tous les Niçois civils à qui nous rendons hommage. La France sera toujours la France tant qu'il y aura des citoyens pour croire en elle et pour la défendre. 80 ans plus tard, nous nous inclinons devant leur sacrifice et nous leur faisons une promesse, celle de continuer le combat pour la liberté, pour lequel ils ont donné leur vie. Ils croyaient en une certaine idée de la France, celle de l'appel du général de Gaulle depuis Londres, plutôt que le renoncement de Montois, celle de la résistance plutôt que de la collaboration, celle qui crie la liberté ou la mort, parce qu'il n'y a pas d'autres alternatives, celle qui combat l'antisémitisme enfin, parce que c'est insupportable et parce que c'est le plus sûr symptôme d'une France en crise. 80 ans plus tard, nous sommes à nouveau face à notre histoire. Depuis le 7 octobre, la parole antisémite s'est libérée. On la laisse s'exprimer et prospérer. On la laisse se répandre. On prend à nouveau les Juifs pour cible et l'attentat de la Grande Motte nous le rappelle encore. Et il y a aujourd'hui en France des individus déterminés à tuer des Juifs parce qu'ils sont Juifs. Ces derniers mois nous ont montré combien tout peut recommencer à nouveau. Pendant trop longtemps, nous avons peut-être oublié que ce 28 août signifiait aussi à Nice la victoire contre l'antisémitisme. Cette victoire, nous le voyons n'est jamais définitive. Nous ne le voyons que trop bien. À nous aujourd'hui de ne rien céder et de faire triompher cette belle idée de la France et de la République pour laquelle ont donné leur vie ces 35 résistants et ces milliers de jeunes gens dont les noms sont inscrits dans la pierre de ce monument. Ils nous contemplent, ils nous scrutent, ils nous obligent. 80 ans après ce grand moment de clarté républicaine du 28 août 1944, à nous de faire entendre à notre tour notre détermination à résister, à nous aussi de suivre leur exemple. Face à l'adversité, face au péril, ils ont su laisser leurs divergences de côté et ne parler que d'intérêt national. Le contexte n'est pas le même. Et les leçons de 1944 n'en sont pas moins toujours valables. Il faut les entendre aujourd'hui, dans un contexte où seule l'Union nationale peut permettre à la France d'éviter le défaut budgétaire et la paralysie. Je ne peux pas croire que des hommes et des femmes se soient battus pour que la France soit libre et que nous dilapidions cette liberté en immobilisme, en reproduisant l'erreur de la République des partis. Ces héros de 1944 ont légué une France réconciliée avec elle-même, à nouveau sûre d'elle-même, de ses forces et de sa grandeur. C'est cet esprit avec lequel il faut renouer. Si l'on veut faire face au narcoterrorisme, au conflit qui menace, à l'insécurité, je veux ici saluer nos soldats, nos policiers, nos gendarmes, nos pompiers, nos secouristes, nos enseignants, nos magistrats qui font vivre cette flamme républicaine. C'est grâce à eux et à tous ceux qui travaillent au service du public que notre nation est unie et une seule. L'adjudant Éric Comin l'a payé de sa vie et j'ai une pensée toute particulière pour les siens et pour ses camarades en cet instant. Sa mort ne passe pas, ne passera pas. Le sacrifice ultime, vous y êtes tous préparés. Mais pas comme ça. Pas par ce genre d'individu. Le meilleur moyen de lui rendre justice en ce 80e anniversaire d'un sacrifice qui nous permet d'être libres à nouveau, c'est de faire preuve enfin de la lucidité nécessaire pour être nous aussi libres à nouveau. L'impunité, l'appel à tuer des flics, c'est de cela dont la République souffre aussi aujourd'hui. C'est dans ces circonstances qu'il faut se répéter la grande leçon de cette libération. La France sera toujours la France tant qu'il y aura des citoyens pour croire en elle
et pour la défendre. Vive Nice, vive la République et vive la France. Mesdames, Messieurs, nous allons à présent procéder au dépôt des gerbes, puis à l'hommage aux morts. Gerbe de la Royal British Legion.